Bonjour Monsieur Loyal. Bonjour Adolphe. Vous êtes responsable de développement de l'enseigne EasyCash. Quel est l'historique de cette enseigne, s'il vous plaît? EasyCash est un réseau qui a été fondé en 2001 par d'anciens franchisés. Ils étaient neufs à la base. Ils ont souhaité s'associer pour développer leur réseau. Donc ils sont partis, ils étaient environ 14. Et nous sommes à présent 42. Donc de franchiseurs, ils sont devenus franchisés. Donc c'est 42 franchises. Est-ce qu'il y a 42 également magasins aujourd'hui. 42 magasins. 42 magasins Quelle aujourd'hui. Part représente la franchise dans... Tous en franchise. Tous en franchise. Tous en franchise. Et dans quelle région êtes-vous plus développé? Est-ce qu'il y a des régions que vous visez plus que d'autres? On va dire que nous sommes implantés dans toutes les régions, sauf à ce jour en région parisienne et en PACA, d'où ma présence aujourd'hui. Nous allons ouvrir 2-3 magasins en région parisienne en 2010 et nous sommes en quête de nouveaux partenaires pour la région PACA. Les partenaires en question, quel profil ont-ils? Nous recherchons des cadres en reconversion ou des commerçants qui ont un bon sens du commerce, un bon sens de la négociation, une grande qualité, je dirais, pour manager des équipes de 5 à 10 collaborateurs et aussi une certaine maîtrise des agrégats financiers. La formation que vous leur proposez, en quoi consiste-t-elle? Nous leur proposons une formation minimum de 3 mois à 4 mois dans un magasin pilote. Au cours de laquelle ils vont maîtriser les techniques de gestion d'achat et de vente, ainsi que la pratique du logiciel. Au niveau de votre année 2009, quel bilan en faites-vous alors que nous approchons de la fin de l'année? Excellent, puisque ça va être notre meilleure année en développement, puisque nous avons inauguré cette boutique. Et une année aussi charnière, puisque nous avons commencé la mise en place du nouveau concept EasyCash, à travers un magasin, le magasin d'Orléans, et ensuite tous les nouveaux magasins qui ouvrent à compter de ce mois seront sur le nouveau concept, et les magasins de première génération seront relookés en 2010 selon ce nouveau concept. D'accord. Le nouveau concept, est-ce que c'est un simple relookage? Est-ce qu'il y a également des produits ou des offres qui vont différer? L'offre est la même, on ne va pas changer un concept qui gagne. Par contre, il y a une refonte globale, je dirais, de la cinétique façade, de l'ambiance intérieure, du travail par univers ainsi que du mobilier. Donc, c'est une refonte absolument complète. Vous êtes actuellement plus présent en périphérie de ville en France. Est-ce que vous souhaitez également vous développer dans les centres-villes? Oui, nous avons trois formats. Hein, donc, nous sommes actuellement essentiellement implantés en périphérie sur des formats entre 300 à 600 mètres carrés. Mais nous comptons dans les années à venir et les mois à venir nous implanter sur des formats plus restreints de 100-150 mètres carrés en centre-ville. Très bien. Je remercie Monsieur Legal. Je rappelle que vous êtes responsable développement de l'enseigne EasyCash. Merci. Merci.